En novembre dernier, un tombeau est découvert dans les sous-sols du musée d'Aquitaine. Il appartiendrait à un personnage emblématique de la ville de Bordeaux, l'humaniste Michel de Montaigne, mort en 1592. Le tombeau va être ouvert dans les prochaines semaines afin de percer définitivement le mystère. Alors nous sommes dans les sous-sols de l'ancien palais des facultés et donc aujourd'hui musée d'Aquitaine. Derrière cette porte, donc il y a un certain nombre de pièces, mais surtout il y a donc le tombeau de Michel de Montaigne. Quand a été décidée la réalisation de cette nouvelle faculté des lettres et des sciences, a été décidé de réinhumer Michel de Montaigne dans les sous-sols et de placer en fait ce tombeau avec une partie visible qui se situait dans le hall avec le cénotaphe. Et en dessous était placé le corps de Michel de Montaigne donc dans cet espace-là et dans ce qui s'avère être un caveau. On va essayer de savoir s'il s'agit véritablement du tombeau de Michel de Montaigne ou pas, mais également on va essayer de comprendre exactement comment s'articule ce tombeau. Alors là, j'enlève un enduit blanc qui a été posé sur le caveau, et ensuite j'aurai comme ça le mode de construction, le nombre d'assises de pierre avec l'épaisseur des joints, et ça nous renseigne sur la façon dont a été construit le caveau. On va comprendre ça une fois à l'ouverture. On verra. Le jour de l'ouverture, une paléogénéticienne va prélever de l'ADN et le tombeau va être scanné en 3D. Reste donc quelques semaines à patienter avant de lever ce mystère vieux de plusieurs siècles.